Bienvenue à tous dans votre émission Le pouvoir de l'espérance. J'espère que jusque-là vous appréciez cette série d'études bibliques. Je vous propose aujourd'hui d'écouter Samantha Jean avec La croix, c'était pour moi. Le prix de moi.
Merci Samantha pour ce doux rappel. Et même sans espoir, la lutte est encore un espoir. Une citation de Romain Rolland. Bonne étude biblique avec le pasteur Eddy Michel Carpin. Je vous dis à demain, même heure, même chaîne. Merci Florine, comment vas-tu? Comment as-tu passé cette journée? Et vous, amis téléspectateurs, avez-vous passé une bonne journée? J'espère que oui. Je suis très heureux de vous accueillir pour notre série « Pouvoir de l'espérance ». Nous avions pris rendez-vous hier soir, souvenez-vous? J'espère que vous êtes tous présents et que vous avez également invité des amis à regarder cette série. Chaque année, dans les sociétés influencées par le christianisme, la fête de Noël est célébrée. Des crèches de toutes les dimensions sont placées à différents endroits dans les villes. Des chants célébrant la nativité sont interprétés un peu partout dans les campagnes et les villes. Il y a aussi un événement incontournable pour beaucoup de croyants chrétiens, la messe de minuit du 24 décembre, qui vient couronner cet événement unique et extraordinaire, la naissance de Jésus. Mais pourquoi Jésus est-il venu? Lors de notre précédente causerie, nous avons montré que Jésus est Dieu avec nous, qu'il est le roi dont le royaume n'est pas de ce monde et de plus, il est le Dieu créateur et sauveur des êtres humains. En fait, Jésus, je pourrais le comparer à un super-héros des hommes. Comme tous les super-héros que nous découvrons dans les différents films fantastiques, le contexte de leur venue est toujours lié au péril de la planète Terre. Il y a un ennemi qui s'en prend à notre monde et veut le détruire ainsi que ses habitants. C'est alors que notre super-héros apparaît. Il intervient pour défendre les habitants de la terre contre cet ennemi. Il vient prendre leur défense. Saviez-vous qu'il en est de même pour Jésus? On peut observer des similitudes en plusieurs points de sa venue et de ses actions à ce qui nous est décrit dans ces films fantastiques de super-héros. Découvrons un peu plus sur cette question qui est loin d'être anodine. La Bible nous rapporte l'existence d'êtres qui ne sont pas visibles pour nous, êtres humains, mais qui sont tout à fait réels. Par exemple, Dieu et les anges. Nous ne les voyons pas, mais ce n'est pas parce que nous ne les voyons pas qu'ils n'existent pas. Toute la Bible, d'ailleurs, foisonne de rencontres diverses et variées avec ces êtres qui ne sont pas de notre monde et qui sont de notre genre, mais qui apparaissent et disparaissent de notre vision humaine. Par exemple, la Bible dit qu'Abraham, l'illustre personnage reconnu dans les trois religions monothéistes, le judaïsme, l'islam ainsi que le christianisme, rencontra, parla et mangea avec des êtres célestes. Vous pouvez lire ces récits dans le livre de la Genèse au chapitre 17 et 18. Je sais que cela peut vous sembler tout à fait étrange, car depuis le siècle des Lumières, où la foi a été rejetée au profit de la raison, les êtres humains sont peu enclins à croire à ce qu'ils ne peuvent observer, analyser et voir. Toutefois, ces êtres que nous ne pouvons observer, ni par télescope ou par notre propre vision, sont, selon la Bible, bien réels. Dans ces mondes où vivent ces êtres, la Bible nous rapporte qu'à une époque éloignée, il y eut un conflit entre deux personnages. Un que l'on appellera un chérubin protecteur, une des créatures de Dieu et, paradoxalement, Dieu lui-même, le Créateur. Ce texte nous est présenté sous la forme d'une analogie. C'est-à-dire que l'auteur va établir une ressemblance entre deux modèles de comportement.
celui du roi de Tyr, qui servira de base à la comparaison, va être utilisé pour parler de notre personnage, un être qui n'est pas de notre temps, un être céleste, un chérubin protecteur. Dans Ézéchiel, chapitre 28, les versets 11 à 19, voici ce qui est dit. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as été corrompu et tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la grandeur du nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je vais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre devant tous ceux qui te regardent. Regardons d'un peu plus près ce texte biblique. Premièrement, il s'agit ici d'un chérubin qui est un être resplendissant, parfait, intègre et jouissant de la présence de Dieu. Cet être occupait une place de choix puisqu'il était sur la sainte montagne de Dieu au milieu des pierres étincelantes. Deuxièmement, ce chérubin est une créature de Dieu. En effet, il est dit de lui qu'il a été intègre, mais qu'à un moment de son existence, et personne ne sait pourquoi ni comment, il s'est enorgueilli de sa beauté, et il est entré en rébellion contre son Créateur. Ton cœur, nous dit le texte, s'est enorgueilli. Troisièmement, notons qu'il a été précipité de la montagne de Dieu. Il a perdu sa place de chérubin, et sa fin est annoncée en ces termes. Tu n'existeras plus jamais. Le livre du prophète Ésaïe lève un peu plus le voile sur l'identité de ce chérubin qui fut précipité de la montagne de Dieu. Toujours avec le même style, voici ce que Ésaïe va nous rapporter, mais cette fois-ci par rapport au roi de Babylone. Ésaïe, chapitre 14, les versets 12 à 17. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre. Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Si la version de la Bible Louis II a traduit le verset 12 par « astre brillant », il faut savoir que d'autres ont préféré le nom Lucifer, qui signifie d'ailleurs « astre brillant ». Or, nous savons que le nom Lucifer, dans la Bible, est attribué à celui qui est devenu Satan, l'accusateur, le prince des esprits mauvais, le diable, celui qui divise et qui trompe.
et dans l'imagerie utilisée dans le livre de l'Apocalypse, il est aussi comparé à un dragon et le serpent ancien. Lucifer, donc, est le diable. C'est celui qui porte la rébellion. Dans ce texte d'Ésaïe, nous comprenons un peu mieux les mobiles de la révolte de Lucifer. C'est le désir d'obtenir la place de Dieu, l'ambition. Tu disais dans ton cœur, « Je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de Dieu. » En fait, Lucifer a voulu être le calife à la place du calife. En peu de mots, la Bible nous décrit l'origine du conflit entre cette créature de Dieu, Lucifer, et Dieu lui-même, alors que ce dernier l'avait comblé d'honneur, comblé de beauté et de pouvoir. Lucifer donc osa remettre en question la souveraineté de son Créateur. Il voulut renverser le gouvernement et devenir Dieu. Pour lui, Dieu n'était pas si bon. Il n'était pas si juste. Il n'était pas amour. Il eut assez d'être subalterne et voulut prendre la place du souverain Dieu. Cette destitution de Lucifer le poussa à séduire des millions de ses compagnons anges et il y réussit, puisque la Bible parle de Satan et de ses anges qui combattent contre Michel et ses anges. Mesdames et messieurs, cette guerre qui se déroula ailleurs que sur notre planète trouve malheureusement son point de chute sur la Terre. La Bible, dans le livre de la Genèse, nous rapporte que Dieu, lorsqu'il créa Adam et Ève, les premiers parents de l'humanité, furent placés devant un choix. Faire confiance à Dieu, leur créateur, ou au contraire, écouter et suivre la direction que leur proposait l'ennemi de Dieu, Satan, Lucifer. Malheureusement, la suite du récit nous rapporte que les êtres humains choisirent d'écouter la voix du serpent et se laissèrent séduire par Satan. Dans ce texte, il fut représenté par le serpent. À l'instant même, tout changea sur la planète Terre. Les arbres, les fleurs, le comportement des animaux, les relations humaines, la honte de se voir nu, l'apparition de la souffrance, de la maladie, de la pénibilité du travail et finalement la mort, tout cela apparut. Le monde tel que nous le voyons autour de nous, bien que créé par Dieu, n'est plus le reflet harmonieux de ce que Dieu avait créé au départ, avant la rébellion des êtres humains. C'est ce que la Bible appelle la situation de péché. Notre planète est malheureusement infectée dans tous ses aspects par ce choix qui a entraîné le chaos sur notre planète. Dès lors, se posent à nous trois questions. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Satan avant qu'il ne cause tous ses dégâts? Deuxièmement, est-ce possible d'inverser ce processus enclenché par Adam et Ève? Et si oui, qui peut inverser ce processus? La solution la plus simple aurait été effectivement de détruire Satan, d'éradiquer la rébellion et le problème aurait été résolu. Mais n'oublions pas, non seulement la gouvernance de Dieu avait été remise en question, mais sa personne, son amour, sa justice, son être entier avait été remis en question. Ce qui veut dire que Dieu devait laisser Lucifer aller jusqu'au bout de sa politique, afin que tous voient le véritable caractère de ce rebelle et ainsi faire ressortir le vrai caractère de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas détruit Lucifer. Dans sa colère, par contre, Satan s'en est pris à la nouvelle créature de Dieu, à l'être humain. Lorsque celui-ci céda aux propositions du serpent de devenir Dieu,
Alors, un processus irréversible de mort se mit en place et rien ne pouvait en changer le cours. Certes, les êtres humains ont toujours cherché à résoudre ce problème. S'il s'agissait d'un film, alors il suffirait de couper la scène, puis de la recommencer. Malheureusement, le choix que firent nos premiers parents, Adam et Ève, ne pouvait être inversé par eux. Ils étaient devenus mortels et aucune pilule, aucune injection, aucun rite, aucun sacrifice humain ne pourrait inverser ce processus de mort. Dieu l'avait dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et c'est exactement ce que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. S'il n'y a pas de solution, quel serait le sens de la vie? Serions-nous dans un tourbillon sans fin? Certainement, mais ce n'est pas le cas. Il y a une solution, il y a la solution. La Bible nous apporte la solution et elle nous donne le nom de celui, le seul capable de nous venir en aide. C'est à ce moment qu'apparaît notre super-héros. Mesdames et messieurs, il est possible d'inverser ce processus de mort. Ce n'est ni la science, ni la technologie, ni la philosophie, mais Dieu lui-même qui a apporté la solution à notre problème. Maintenant, voulez-vous savoir quel est le nom de ce super-héros, de celui qui a inversé le processus de mort? La Bible l'appelle Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus et c'est lui qui sauvera l'humanité de sa condition. Mesdames et messieurs, c'est par amour pour chacun de vous, chacun de nous que Jésus est venu. Il est venu solutionner le problème pour nous redonner espoir face à la souffrance, à la maladie, à l'injustice et à la mort. Jésus est la réponse. Notre super-héros, Jésus, est venu lui-même affronter Satan sur son terrain. Il n'a utilisé aucune arme, aucun pouvoir surnaturel. Il a démontré l'amour dans toute cette dimension et la solution qu'il apporte concerne tous les aspects de notre vie. Voulez-vous savoir comment notre super-héros Jésus s'y est pris pour nous sauver? Alors, je vous donne rendez-vous demain soir. Mais ce soir, je voudrais continuer à vous offrir des cadeaux. Vous vous souvenez de ce magnifique livre? Hier, je voulais offrir, plusieurs personnes l'ont reçu. Alors aujourd'hui, je voudrais vous l'offrir à nouveau. Les 10 premières personnes qui appelleront au numéro qui s'affiche recevront ce magnifique livre, L'ultime espérance. Ce livre vous apportera la joie, la paix, vous donnera l'espérance. Alors n'hésitez pas, appelez au numéro qui s'affiche et dites « Pouvoir de l'espérance ». Mesdames et messieurs, je vous souhaite une agréable soirée. Et n'oubliez pas, notre super-héros Jésus est venu pour être notre sauveur. Nous avons rendez-vous demain soir, même heure et même chaîne. Une bonne soirée à vous.